Hé hey mec, arrête-toi là, faut que je te scanne. Non, tu connais le règlement, nourriture et boisson interdites. Ok, t'énerve pas. Ne bouge pas, je vais te scanner. C'est bon, tu peux y aller. Hé, cette boîte est super! Et maintenant, c'est l'heure d'un petit goûter. Cette couronne est délicieuse. Mais qu'est-ce qu'elle? Aïe! Je suis trop contente, ça a marché! Je garde le reste pour tout à l'heure. Allez, au suivant, on lève les bras. Oh non! Ils fouillent tout le monde! Qu'est-ce qu'on va faire avec nos friandises? Il faut qu'on les cache. Et à ton tour, mec! Tu te fiches de moi? C'est quoi cette tablette de chocolat? Oh, bien sûr! Une petite seconde. Regarde ce tour incroyable! Et voilà! Le chocolat a disparu! Et je l'ai téléporté ici! Waouh! Comment est-ce que tu as fait ça? Mais ça ne change rien au règlement! Passe une bonne journée! Je n'arrive pas à croire que tu lui as donné mon chocolat! Je sais, mais regarde! Grâce à mon tour de magie, on a toujours le mien! C'est vraiment super bon! On s'arrête? Qu'est-ce que c'est que ça? Je viens remplacer la boule disco. Ah, d'accord, allez-y. Pourquoi est-ce que tu as apporté une boule disco? Oh, c'est pas une boule disco! Je vais vous montrer. D'abord, j'ai pris une petite pastèque. J'ai attrapé ma bombe de peinture argentée comestible. Et j'ai recouvert la pastèque entièrement. Ensuite, j'ai fait de petits carrés de papier aluminium et je les ai collés sur le pastèque. Je les ai alignés bien régulièrement et voilà le résultat! Qui veut de la pastèque? Waouh! Elle est super fraîche! Il faut rester hydraté si l'on veut faire la fête toute la nuit! Arrêtez-vous là! Qu'est-ce que c'est? C'est pour remplacer la boule disco! Je suis le réparateur! Mais si vous êtes le réparateur, alors qui est? Cette boîte est vraiment étrange! Salut! Je suis venue faire la fête! Hé! Hey, nourriture et boissons interdites! Ah! Mais je n'ai rien sur moi! Votre chewing-gum, il compte! Crachez-le! Je peux y aller maintenant? Pas si vite! Je vais te scanner! Je sais pas… Il y a quelque chose qui ne va pas… Oh! Je sais! Tes cheveux! Oh non 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 non! J'en ai pas fini avec toi! Attends-moi ici! Avec ça, tu ne peux rien me cacher! C'est bon, j'ai fini! Tu peux y aller maintenant! C'est pas trop tôt? Waouh! La musique est super! Et bien sûr, j'ai mes bonbons secrets! Des Starbursts! Ils sont faciles à transformer! Alors je les ai posés sur des faux ongles! Une fois qu'ils ont eu la bonne forme, j'ai mis les ongles! Et voilà! Une manucure de bonbons! Un bonbon au bout de chaque doigt! Et sur mon pouce aussi, bien sûr! Ma manucure terminée, je suis allée en boîte! Et maintenant, je peux me régaler! Mais elle vient de manger son ongle! Quoi? C'est dégoûtant! Allez, on se tire! Une seconde! Tout ce travail m'a donné faim! Heureusement, j'ai ce qu'il faut! Ahem. Qu'est-ce qui est écrit, là? Donne-moi ces bonbons! Oh, c'est pas cool! Je sais, c'est pour ça que je suis prof. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais mettre ça avec le reste de la contrebande. Je ferai bien de l'ajouter à la liste. C'est une belle collection.
Yo les intellos. Ouais, ouais, c'est moi. Elle est tellement belle. Hé, hey, Jared, j'ai quelque chose pour toi. Génial, c'est un petit chien. J'adore les chiots. Quoi? Non, c'est là. Mais je vois pas de chien. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas vrai, une seconde. Je comprendrai jamais les femmes. Oh non, mon lacet est défait. C'est mon bureau, j'espère que tu vas le nettoyer après. Regarde ça. Une réserve secrète de bonbons, waouh. Je me sers, hein. C'est trop bien. Pas de quoi. J'aurais bien aimé avoir un chien quand même. Mais merci, Molly. Mettez tous les bonbons dans la boîte. J'espère que vous êtes contente. Ravie. Suivant. Lolala. Halte là. Pas de bonbons dans la classe. Sérieusement? Je pensais que c'était une blague. Vous vous moquez de moi, pas vrai? Hé, écoutez ça. Je ne devrais probablement pas, mais bon, juste une fois. Oh, c'est entraînant. J'aime bien. J'en étais sûre. Allez, on se retrouve à l'intérieur. Bien tenté, mais tu ne m'auras pas comme ça. Bonbon interdit. Je ne veux pas jeter ma sucette. C'était ma chanson préférée. Maintenant, elle est gâchée. Attends une minute. J'ai une idée. Je vais prendre ma sucette et la faire fondre. Ensuite, je vais avoir besoin de cette seringue. Je vais remplir la seringue avec le bonbon liquide. Il faut que je fasse vite. Je veux pas qu'il durcisse. Maintenant, j'ai besoin de mon étui à AirPod. Je vais injecter les bonbons dans l'étui. La seringue rend la tâche plus facile. Maintenant, le deuxième. Ça devrait le faire. Je vais refermer l'étui et attendre que ça durcisse. J'espère que ça va marcher. Je vais mettre les AirPods de bonbons dans mes oreilles. Il va falloir que je sois convaincant. Heureusement, je suis un excellent danseur. Oh, super, il danse encore. Pas de bonbons, vous voyez? Tu peux y aller. La 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 la. Ouf, j'ai réussi. Trop bon. Elle file dans les airs et Jared l'attrape. Ouais. Hein? Qu'est-ce que c'est? Oh, j'avais oublié que j'avais des devoirs. C'est trop nul. Je ferais bien de m'y mettre. Ou alors, je pourrais manger des bonbons. C'était une décision difficile. C'est tellement bon. J'adore les bonbons. Wow, regarde ça. C'est de l'art. Si je les mets comme ça, ça fait un dessin. Ça me donne une idée. Je vais disposer les bonbons sur la toile. Maintenant, je vais prendre une autre couleur. Je vais faire un triangle et le remplir. Ensuite, je vais ajouter des détails. C'est une pastèque en bonbons. C'est ma plus belle œuvre jusque-là. Je devrais aller à l'école. Ne bouge pas. S'il y a des bonbons, je les trouverai. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Allez, je veux pas être en retard. Oh, tu as une pastèque aussi? Des bonbons grillés. Je pensais que ça marcherait. Hors de ma vue. Ça va être difficile. Moi, j'essaierai jamais de faire entrer des bonbons en douce. D'accord, c'est suspect. Allez-y, scannez-moi. Je n'ai rien à cacher. Ok, c'est tout bon. Ça a marché. Je veux dire, merci. J'arrive pas à croire qu'il ait trouvé mes bonbons. La voie est libre. C'est l'heure de manger des bonbons. Remettez-moi vos œuvres. Hé, mais c'est à moi. C'est l'heure de l'évaluation. J'avais hâte de manger mes petits bonbons bien sucrés. Excellent travail de la classe. Je suis fière de vous tous. Mais il ne peut y avoir qu'un seul gagnant. C'est difficile. Mais c'est celle de Jared que je préfère. Beau travail. Hein? Moi? Vraiment? Toi, allez, monte. Wow, c'est incroyable. Je voudrais remercier mes parents et bien sûr... Quoi? J'ai un trophée. Wow. Oh, et des fleurs, mes préférées. C'est magnifique, Jared. Merci beaucoup. Wow. Elle a mauvais goût en matière d'art. T'es juste jalouse. T'auras plus de chance la prochaine fois. J'ai bien mérité une récompense. Ça, c'est l'art que j'adore. Quel chef-d'œuvre. Il y a de la bonne musique à cette soirée. Arrêtez-vous là. Nourriture et boissons sont interdites. Quoi? Mais mon gâteau pop? Oh, d'accord. Je vais partir. C'est trop idiot. Il va juste falloir que je le mange. Attends une seconde. J'ai une meilleure idée. Allez les vermicelles. Qu'il en pleuve. Ça va être incroyable. Ok, je devrais me lever. Ça devrait suffire. Et voilà, des vermicelles en maquillage. Je peux retourner à la soirée. C'est bon, je suis parée pour entrer maintenant. Oh, dis donc, vous êtes sublime. Entrez. La musique est géniale. Bon, quelqu'un regarde. C'est l'heure d'un petit encas sucré. Trop bon, et en plus personne n'est au courant.
C'est bon, papier de bonbon enlevé. J'en ai la quantité parfaite. Non, vous ne pouvez pas amener ça à l'intérieur. Non, mes précieux bonbons! Eh oui, vos bonbons n'ont pas leur place ici. Oh non, mes bonbons sont tout mous et tout fondus maintenant. Attends une seconde, peut-être que cette barrette peut se rendre utile. Oui, c'est sûr que ça peut fonctionner. Je vais aplatir ces bonbons. Et maintenant, je vais me servir de cette règle pour le couper. Deux entailles dans deux sens différents. Maintenant, je vais prendre un de ces coins et je vais les empiler. Voilà, ça fait une belle pile. Ensuite, je vais les enrouler. Bien, maintenant je peux réutiliser ma règle. Je vais le couper en deux au milieu. Super, maintenant je vais faire passer un de ces morceaux dans la barrette. Ça ressemble à une petite fleur. Je vais juste donner un peu de volume à ces pétales. Et voilà, c'est trop mignon! Je peux la remettre dans mes cheveux maintenant. Et voilà, ça rend super bien! Allez, je peux réessayer d'entrer dans la soirée. Laissez-moi vérifier ce que vous portez. Rien, rien. Attendez, qu'est-ce que vous avez sur la tête? Juste de jolies barrettes. Vous pouvez entrer. Ouais, j'ai réussi à entrer. Et maintenant, je peux manger. Trop bon! Je vais garder le reste pour plus tard. Attendez, vous avez de la nourriture sur vous? Oh, pourquoi est-ce qu'elle est si en retard? Elle est où? Surprise, je suis là! Joyeux anniversaire! Ouais! Allez, on y va! Vraiment? Tu as vu les panneaux? Tu ne pourras jamais porter ce gâteau à l'intérieur! Quoi? C'est pas juste! Attends, viens là avec moi! Regarde, j'ai transformé le gâteau en chapeau! Mais non, c'est trop mignon! Ça va être génial! On y va! Encore vous? Vous essayez encore de faire entrer de la nourriture? Laissez-moi vous observer. Oh, j'aime votre chapeau! Trop mignon! Ok, c'est bon, vous pouvez y aller. Ouais, ça a fonctionné! On peut aller s'amuser! Wouh! Une soirée d'anniversaire en boîte! Allez, on attaque le gâteau! Miam! Ce gâteau est trop bon! Goûte un peu! Je ne vais pas me gêner, allez! Ce gâteau est vraiment bon! Finalement, cette soirée d'anniversaire est géniale! Bien, on dirait qu'il n'y a personne dans le coin. Je vais grignoter un truc en douce. Je vais juste retirer mes écouteurs sans fil et y ajouter du chocolat. Oh, c'est à la fois chocolaté et gluant! Je vais les secouer un peu. Maintenant que c'est sec, je peux les sortir. Tada! Des Air Buds en chocolat. Ils sont délicieux! C'est la meilleure idée que j'ai eue! Mais chut! Qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez pas lu l'affiche? Oh, non! Elle a des ennuis car elle a des chips! Prenez vos chips et sortez d'ici! Hé, hey, avancez! J'ai pas toute la journée! Salut! Je suis prête à aller m'asseoir! C'est pas vrai! Ces boucles d'oreilles sont en réalité des bonbons en forme d'ours! Attends une seconde. Moi aussi, je peux faire ça! Waouh, ça donne trop bien! Ok, je suis prête maintenant. Waouh, j'aime vraiment vos bijoux! Très bien, vous avez l'autorisation. Vous pouvez passer. Merci! Hein? Ça sent les chips! Stop! Donne-moi ça! Hé, hey, va t'en acheter! Oh, les jeunes de nos jours! Il ne faut pas qu'ils voient ça! Comment je vais faire? Il faut que je trouve une solution, mais laquelle? Oh, c'est Molly! Salut Molly! T'es superbe aujourd'hui! Oh, c'est toi! Salut! J'ai lu ça hier soir, c'est très intéressant! Attends, fais voir ta cravate! Mais c'est ma cravate préférée! Chut! Toi, tu viens avec moi! Tu veux pas qu'on apprenne à se connaître d'abord? C'est pile ce qu'il me faut. Qu'est-ce qui se passe? Quand je vais raconter ça à ma mère,
Je vais retourner la cravate et la mettre à plat. Et j'ai besoin de colle. Je vais mettre des points de colle sur la cravate. Puis j'y colle des bandes de tissu élastique. Je continue sur toute la longueur. Il faut qu'il soit bien collé. Voilà le dernier. Maintenant, je vais glisser des sucreries dans les élastiques. C'est pile la bonne taille. Voilà, c'est prêt. Sois naturel, personne ne remarquera rien. En fait, ça me va bien. Et j'adore les accessoires. C'est l'heure du petit goûter. Je vais me régaler. Manger des bonbons en secret, c'est le pied. Hé, Molly, maman veut savoir si tu veux venir dîner à la maison. C'est pas bon. Salut, Jared. Je commence à regretter. J'ai plein d'autres cravates, si tu veux. Mais ça te coûtera un bisou. Qu'est-ce que j'ai fait? Attends, tu as des bonbons? Ah, comment vous savez? Je suis prête à faire la fête. J'y suis presque. Oh oh, je crois qu'on est repéré. Bien tenté, maintenant reculez. Entendu, ne me faites pas de mal. Profitez de votre soirée. Comment il a su? C'est comme s'il avait des super pouvoirs. Il faut qu'on trouve un autre plan. Je crois que j'ai trouvé. Où est-ce qu'on va? Pourquoi il fait toujours ça? Attends. Ça peut toujours servir. Ça fait une jolie ceinture, mais je n'ai pas encore fini. Je vais prendre des bonbons. Et je vais les accrocher au collier de fleurs. Je fais ça sur tout le tour. C'est tellement coloré. Je pourrais être créatrice de mode. Ça devrait le faire. Devine où j'ai caché les bonbons. Je vais te donner un indice. Dans mon chapeau. J'aurais jamais deviné. Regarde ma jupe. Très branchée. Allons-y. J'adore ce boulot. Je peux faire peur aux gens. Salut, on est là pour la soirée. Laissez-moi vérifier. Pas de soucis, on n'a rien à cacher. On n'est jamais trop prudent. C'est bon, je peux y aller? Amuse-toi bien. Merci, mon pote. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi, ça? Une perruque, je suis chauve. C'est tout ce que t'as trouvé? Pas la peine d'être méchant. Bonne soirée. Non, mais sérieux. Wow, c'est génial! T'es superbe, Molly. Il a pris mes bonbons. Je sais pas comment il les a trouvés. T'inquiète pas, tu peux prendre les miens. Oh, merci. Il y en a assez pour tout le monde. Génial! Merci! Merci, Molly, t'es la meilleure! C'est vraiment beau! Excellent, Molly! Tu as un vrai talent! Oula, je vais faire des cauchemars! Hein? Je suis pas certain que ce soit un compliment. C'est l'heure du goûter! Psst, Molly, psst! C'est tellement relaxant! Incroyable! Il n'y a qu'une chose à faire! Hé! Aïe! Pourquoi t'as fait ça? Regarde! Des crayons? Waouh! Non! Attends, tu vas voir! Il renferme un délicieux secret! Du bon chocolat! Plutôt malin, hein? Je sais que tu es jalouse! Oh, je t'en prie! Regarde-moi ça! Une tablette entière de chocolat! Wow! C'est magnifique! Je sais! Et c'est à moi! Je vais me régaler! C'est trop bon! Tu adorerais! Oh! Tu veux jouer à ça? Moi aussi, je peux jouer à ce jeu-là! C'est l'heure des méga crayons! Hein? C'est quoi, ça? Une sucette géante! Rien que pour moi! Des sucreries dans ma classe? C'est un cadeau, juste comme ça, vous faites un excellent travail. Oh, un compliment, comme c'est agréable. J'en mourrai d'envie. Il me prend pour une idiote. Parfait, tu es très belle. Oh, j'ai trop faim. Oh, c'est dur, mais j'ai une idée. Attends une seconde. Ah ah, c'est ça que je cherchais. Ok, et voilà. Je vais en mettre sur tes lèvres.
Ça a un goût sucré? Je sais, continue. C'est tellement bon. Merci. C'est ma palette super secrète. J'ai retiré tout le maquillage et ensuite j'y ai mis des bonbons en forme d'ours. J'ai rempli toute la palette. Avec deux oursons pour chaque trou. Et ensuite, j'ai utilisé mon sèche-cheveux. Parce que je voulais faire fondre tous les bonbons. Ils ont fondu assez facilement. J'ai dû m'assurer qu'ils étaient tous chauffés. Et ensuite, c'était fini. Le résultat était parfait. C'est pour ça que c'est si sucré. Parce que c'est un bonbon. Tu es un génie. C'est trop bon. Vous pouvez entrer. Bonjour, je suis là pour le défilé de mode. Qu'est-ce qu'il y a dans vos mains? Non, ce n'est pas autorisé. Mais... mes bonbons? Allez-y, partez d'ici. J'ai attendu ce défilé toute ma vie. Mais je crève de faim aussi. Hé, ce bonbon est en train de me donner une idée. Oui, ça pourrait totalement marcher. Je vais les coller sur mes cuisses. Je pourrais aussi lancer une nouvelle mode. Voilà, le dernier. Je suis si maligne. Bon, que le spectacle commence. Excusez-moi, je suis de retour. Je voudrais participer au défilé maintenant. Voyons voir. Parfait, ça m'a l'air correct, vous pouvez entrer. Oui, je l'ai fait. C'est presque un rêve qui devient réalité. Oh, ces cuisses, c'est ma propre création. Elles cachent également un secret. Les meilleures cuisses du monde. Rien de pire que d'être en retenue. Oh mon Dieu, j'ai faim en plus. Est-ce que le professeur me regarde? Bon, je pense que je peux chipper une collation. Ces chips feront l'affaire. Hé, qu'est-ce qui se passe ici? Tu connais les règles ici. Désolé. Ah, il est si méchant. Je garde les yeux sur toi. Attends une seconde. Je pense que je suis un génie. J'ai besoin de mon plumier. Car il contient en réalité plus de bonbons. Ah, bon. Où est mon taille-crayon? J'ai besoin de tailler ça. J'arrive pas à croire que ça fonctionne. Je suis si intelligente. Qu'est-ce qu'elle mijote? Oh, je suis juste en train de tailler mon crayon, vous voyez? Maintenant, je retourne à mon écriture. Tout semble en ordre. Ok, il a l'air de nouveau distrait. Il est temps de manger un morceau. Miam, trop bon. Je suis si intelligente. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire qu'elle soit assise juste à côté de moi. Elle est si belle. Ok, c'est ma chance maintenant que le professeur est distrait. C'est l'heure du chocolat. Elle est sérieuse? Je la vois. Oui, regarde ce magnifique chocolat. Non, il est à moi maintenant. Oh, quel dommage, elle vient de perdre son chocolat. Hé, attends une seconde. Je pense que je peux l'aider. Hé, j'ai ça pour toi. Pourquoi j'aurais besoin de ça? Ça va? Je ne... Waouh! Le sommet s'est retiré. Regarde à l'intérieur. Fais-moi confiance. D'accord. Waouh! Du chocolat! Incroyable! N'est-ce pas? On dirait presque de la magie. J'ai pris les crayons de couleur et coupé le fond. Ensuite, j'ai sorti mon pistolet à colle. Je voulais les coller ensemble, rangés. Parce que je ne voulais pas qu'ils gigotent. Je me suis assuré de mettre une bonne quantité de colle. Il n'y avait donc aucun moyen qu'il bouge. Ensuite, j'ai pris la boîte de crayons. J'ai ouvert la boîte bien grand. Et ensuite, le chocolat est entré en action. Il s'est simplement laissé glisser à l'intérieur. Et ensuite, les crayons ont été placés au-dessus. Tada! Waouh, tu es si intelligent! Est-ce que le professeur regarde? Voilà, tu y as droit aussi, c'est équitable. Je n'arrive pas à croire qu'elle mange mon chocolat. C'est le plus beau jour de ma vie.
Arrêtez-vous! Pas de nourriture ni de boisson dans cette fête! Oh non! Il vient de renvoyer ce type qui avait à manger! Comment je vais faire avec mes bonbons? J'en ai besoin! Je vais tous les manger! C'est trop bon! Oh, je peux en cacher un peu ici, dans mes manches et dans mes chaussettes! Ok, ça devrait marcher, il est temps d'aller à cette fête! Laissez-moi voir, vous avez de la nourriture ou des boissons sur vous? Vous vous moquez de moi? Je vois vos bonbons! Des bonbons? Ils font partie de ma tenue! Allez, dehors! Oh, pourquoi il ne m'a pas cru? Hé, une seconde! Peut-être que ce collier peut m'aider! Ok, je vais commencer par le couper juste ici. Voilà, et maintenant je peux commencer à le démonter. Au revoir les fleurs! Nous y voilà, c'est la dernière! Maintenant j'ai la ficelle. Je vais les tirer pour qu'elles soient bien droites. Et maintenant je vais y placer des bonbons. Je vais les aligner le long de la corde comme ceci. Et je répète ceci tout du long. Regardez tous ces bonbons! Délicieux! Je retourne les extrémités en dessous. Il faut que les rubans pendent. Ok, ajoutons-en encore plus. Plus s'il y en a, mieux c'est! Et ensuite, je vais remettre les fleurs, bien sûr. C'est très crédible et très joli. Ok, je pense que c'est bon. Allons vérifier. Ouais, ça donne une jupe vraiment sympa. Je suis trop forte. Et je peux aller à la fête maintenant? Vous êtes la fille de tout à l'heure. Laissez-moi regarder de plus près. Ok, c'est impeccable. Mais d'abord, limbo! Ouh! Passez en dessous! Allez! Yay! Yeah, c'est amusant! Oh là là, mais qu'est-ce que c'est difficile! J'ai besoin de sucre pour reprendre de l'énergie. Il n'a rien capté. Délicieux! Et maintenant, j'ai assez d'énergie pour faire la fête toute la nuit. C'est parti! C'est le moment de cacher mes délicieux bonbons! Ce scotch va être mon arme secrète. Je vais simplement coller des bandes de scotch sous ma couverture. Parfait! C'est le moment de cacher les bonbons! Ouais, je suis trop intelligent! On dirait qu'il dort. Oh, qu'il est beau! On dirait un petit prince. Hein? Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Maman, je t'aime! Tu es la meilleure maman du monde! Oh, tu es trop mignon! Ouf, c'était moins une! Allez, fais de beaux rêves! Je vais t'éteindre la lumière. Elle est partie! Enfin! C'est le moment de prendre un petit encas avant de se coucher. Donne-moi tes bonbons! C'est quoi ça? Un monstre sous mon lit! Vite! Sous la couverture pour qu'il ne me fasse pas de mal! C'est trop facile de te piéger! Tina? J'avoue, c'était plutôt bien fait. Tiens, des bonbons pour toi. Waouh! Ça fait beaucoup de Skittles! Je n'arrive pas à croire à quel point tu avais peur! Waouh! Regarde-moi tous ces bonbons! Oh, je n'arrive pas à les attraper avec mes mains de monstre! Bon, d'accord. Voilà pour toi! Ouais! Des bonbons! Trop bon! Bien! Ce thé va être très bon! Oh, pendant que j'attends qu'il refroidisse... Hé! Salut, David! Hein? Je veux quelque chose à boire, moi aussi! Oh, ok, bien sûr! Oh, il y a du cacao là-dedans! Miam! Des bonbons! Ouais, je vais lui prendre ça! Hé, qu'est-ce que c'est que ça? Tu as mangé tous les chocolats! Allez, donne-moi ça, je ne plaisante pas! Donne-moi ça tout de suite, je vais me fâcher! Oh, je suis furieux! Chocolat! Ça va, reprends-le si c'est si important pour toi. Ouais! Merci, David! Super, maintenant je n'ai plus de bonbons à manger. Ok, je ne la vois nulle part. Je vais essayer d'être discret. Je vais prendre mon sachet de verre en gélatine que j'ai caché ici. Yes! J'aime trop ces bonbons, ce sont mes préférés! Salut, David! Peux avoir des verres en gélatine, s'il te plaît? Oh, prends tout le sachet pendant que tu y es! Elle l'a pris, mais ça faisait partie de mon plan! Parce que pendant qu'elle mange ça, j'ai ma vraie réserve secrète!
J'ai pris un tube de dentifrice que j'ai vidé. Oh, regardez-moi ça! Une fois le tube vide, je jette le dentifrice et je le remplace par des verres en gélatine. Je vais simplement les glisser dans le tube, il s'adapte parfaitement. Maintenant, il faut remettre le bouchon pour finir le travail. Voilà, dès que je veux un verre en gélatine, j'en ai un tout prêt. Oh, j'ai hâte de manger ces délicieux bonbons. Mmm, trop bon! Oh, j'ai super faim tout d'un coup. Attends, mon crayon, bien sûr. Et si c'était en fait un bonbon? Yes, je vais le manger. Hein? Mais qu'est-ce qu'il fait? David, stop! Hein? Quoi, t'en veux? Si je veux manger ton crayon? Un crayon? Oh, c'est vrai, j'imaginais que c'était un bonbon. Oh, David, tiens, laisse-moi te montrer en quoi mon crayon est différent. D'abord, je prends du chocolat, puis je le mets sur une cuillère et j'attrape mon sèche-cheveux. Je fais fondre ce chocolat, puis je prends mon crayon. Les gommes sont assez faciles à enlever. J'ajoute un petit tube à cette extrémité du crayon. Comme ça, je n'ai plus qu'à verser le chocolat fondu à l'intérieur. Oh, regarde ça, ça a l'air trop bon! Mais j'ai besoin d'attendre que ça refroidisse. Et tada! Une gomme en chocolat sur mon crayon! Tu as bien suivi, j'espère! Tiens, tu peux y goûter. Waouh, merci Madison! Tu es géniale! C'est trop bon! Ça fait vraiment du bien en plus! David, non, arrête! Le reste du crayon n'est pas en chocolat! Oups, c'est vrai, j'avais encore oublié. Autant pour moi. Ah, ça prend 1000 ans! C'est quoi ça? Oh non, 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 ce n'est pas possible! Oh non, elle est super énervée! Qu'est-ce que je vais faire? Moi aussi j'ai de la nourriture! Je n'ai pas envie de jeter mes bonbons! Bon, je dois peut-être juste tout manger tout de suite. Je vais tout mettre dans ma bouche. Bon, et d'un au suivant! Ah, comment je vais faire pour manger tout ça à temps? Elle vient de le virer de court! Et attends, je crois que je peux faire passer ces bonbons en douce. Alors je vais enlever ma cravate et maintenant mon bon vieux pistolet à colle entre en jeu. Je vais mettre des points de colle à l'arrière, voilà. Et maintenant le côté élastique. Je vais ajouter des bandes élastiques jusqu'en bas. Super, comme ça mes barres chocolatées vont pouvoir se glisser là. Regarde, elles rentrent toutes. Je vais remettre ma cravate et je crois que je suis prête. Est-ce que tu caches des bonbons comme l'élève avant toi? Je ne sais pas. Tu as une attitude suspicieuse. Cette loupe dévoilera la vérité. Hé, on porte la même cravate! Très bon choix! Allez, bon cours! J'ai réussi! Est-ce que quelqu'un me regarde? Non, donc je peux prendre une barre. J'ai envie de laquelle? Ouais, celle-là! Je n'ai qu'à l'enlever de l'élastique. Les autres peuvent attendre pour plus tard. À l'attaque! À moi le chocolat! Je crois que le chocolat introduit en douce est encore meilleur. Oh, vous êtes les meilleures sucreries! Oh non, elle vérifie qu'on n'a pas de bonbons! Je crois qu'elle a une sorte de baguette magique pour trouver la nourriture. Non, pas les sucreries! Qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas abandonner mes chéris! Il faut que je les cache à un endroit où elle ne les trouvera pas. Ça rentre peut-être dans mes chaussures? Bon, je vais juste tout mettre sous mon t-shirt. Oh, aucun de mes plans ne fonctionne. Oh, ces livres sont tellement lourds. Non, ma map monde. Elle est cassée. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, ne bouge pas. Map monde, je reviens. Hé, mais la map monde est la solution. Ok, ma petite planète. Tu viens avec moi. Bonjour madame, je suis prête pour aller en cours. Avant ça, il faut que je vérifie que tu n'as pas de nourriture. Oh, j'espère que mon plan va marcher. Bon, on dirait que tu n'as rien. C'est bon, tu peux entrer. Et bonne idée d'avoir amené la map monde. C'est bon, la prof me tourne le dos. Je peux ouvrir la map monde et prendre un petit goûter. Et il faut juste que je la referme après. Ouais, j'adore cette barre-là. Tu sais ce qu'il manque à ce cours? Un goûter. Elle ne me regarde pas. C'est le moment ou jamais. C'est quoi ce grincement? Oh non, non, non! Oui, j'ai du chocolat. Quoi? Tu as enfreint les règles! Je n'arrive pas à croire que tu aies pu faire ça. Donne-moi ça. Je vais prendre une craie. Burk, elle doit détester les bonbons.
Attends, qu'est-ce que tu fais? Elle mange de la craie? Oh, tu es surprise? Je vais te montrer un secret. J'ai pris des bâtonnets au chocolat. Et j'ai embroché des chamallows dessus. On peut en mettre plusieurs par bâtonnet. Et voilà, 4 chamallows et je les mets dans la boîte. On ne voit vraiment pas la différence. Tiens, tu en veux? Dis donc, merci beaucoup, c'est super intelligent. Oh non, mince, cette craie arrive à sa fin. Ah, il m'en faut une nouvelle. Oh là là, c'était la dernière. Comment je vais faire? Oh, qu'est-ce que c'est? Tu as des craies? Ça ne pouvait pas mieux tomber. Quoi? Oh, oh non, c'est ma craie! Vite, il faut que je mange tout. Oh là là! Elle doit être affamée! Je vais la sauver! Tiens, tu peux reprendre ton chocolat! J'adore le Nutella! Je pourrais passer ma journée à en manger! Arrêtez-vous là! Le chocolat est interdit! Au revoir, Nutella! Je vais aussi avoir besoin de ça! Lâchez-la! Mais c'était ma dernière cuillère! Bon, je vais prendre ça à la place. Méchante. C'est pour ça que personne n'aime le dentiste. Hé! Je crois que j'ai une idée! D'abord, je vais avoir besoin de mon cher Nutella. Oh, c'est tellement bon! Ensuite, il va me falloir un tube de dentifrice vide. Et hop! Vas-y, Nutella! C'est ta nouvelle maison! Et voilà, la quantité parfaite! Maintenant, il faut juste que je referme l'extrémité. Je vais me servir de ce fer à lisser. Bonjour, monsieur. Je suis Toutoui. Il faut vraiment bien se brosser toutes les dents. Je vais vous montrer ma propre technique. Oh, ça, je peux le faire. Ah, ce dentifrice donne envie. Voilà comment il faut brosser. Oui, c'est le meilleur dentifrice du monde! Alors, montrez-moi ce que ça donne. Oh là là! Qu'est-ce qui s'est passé? Montrez-moi ça! Ce n'est pas du dentifrice! C'est du Nutella! Vite! Je m'enfuis! Encore une patiente qui part en courant aujourd'hui. Oh, c'est plutôt bon en fait. Personne ne regarde! C'est le moment ou jamais! Je ne crois pas, non! Vous connaissez les règles! Oh, c'est injuste! Regardez-le! Oh, j'ai un plan! Il y a quelque chose qui manque à ce tableau. C'est bon, je crois que la voie est libre. C'est le moment de faire illusion dans ce déguisement. Bonjour, je suis médecin. Je veux dire dentiste. Je vais y aller. Tiens, il me dit quelque chose. Il y a quelqu'un là-dedans. Je crois que je suis tranquille. Je peux enlever ce costume. C'était moi pendant tout ce temps. Et ma blouse de médecin a les poches pleines de bonbons. Et de tout ce qui existe de bon. Personne ne peut m'arrêter maintenant. Je peux manger autant de bonbons que je veux. Je vais vite mettre tout ça dans ma bouche. Rendez-moi mes vêtements! Oh, bonjour! Désolée, mais je vais faire la sieste, là. Je n'arrivais pas à croire qu'elle lui ait donné une rose. C'est le moment d'être le plus discret possible. J'ai juste besoin d'un petit goûter. Aïe! Je me le suis jeté dans l'œil! Non, c'est sûr qu'elle a entendu ça. Hé, vous, donnez-moi ces bonbons. Bon, ça n'a pas fonctionné comme je l'avais imaginé.
Hé, c'est une idée de génie! Alors, il va me falloir un foulard et de la colle alimentaire. Je vais juste déposer un point de colle sur le foulard. Et comme ça, je peux y coller les bonbons. Hop, je les colle tous. Génial, j'ai fini. Oh, mes pauvres dents. Hé, c'est le moment d'une bonne pause bonbon. Ça, c'est une rage de dents qui me plaît. C'est bon, le dentiste vous attend dans son bureau. Oh, bien sûr. Il faut que tout reste bien caché. Est-ce que vous pouvez enlever votre écharpe, s'il vous plaît? Oh, bien sûr, docteur. Oh là là, c'est un cas de variole. Un instant. Il y a quelque chose qui ne va pas sur mon visage? Ne vous inquiétez pas, ça devrait vous remettre sur pied tout de suite. Attendez un peu, ne bougez pas. N'avancez pas plus! Vous ne pouvez pas avoir de nourriture ou de boisson avec vous ici. Mais mon goûter! Qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi ça là-bas? Oui, cet aquarium me donne une idée. Ok, j'ai mon sac de Sprite, ça ressemble à de l'eau. Et j'ai mon requin en bonbon. Va dans l'eau, petit poisson. Oh, c'est mon poisson de compagnie. Oh, trop mignon. Allez-y, passez. Mon poisson et moi vous remercions. Juste une seconde. C'est le moment de prendre une gorgée. En voilà un bon Sprite au poisson. Hé, qu'est-ce que vous... Oh, désolé. Il faut croire que j'ai entendu des voix. C'était moins une. Je l'entends encore. Ce bruit! Je pourrais jurer entendre quelqu'un boire. Cette fois, je vais la prendre sur le vif. Ah ah! Attendez, qu'est-ce que vous faites? Non! Ne mangez pas votre poisson! Oh non! Oups! Je vais juste prendre une autre gorgée. Elle me regarde? C'est peut-être l'occasion ou jamais. J'ai tout entendu. Entendu quoi? Je vous garde à l'œil. Mince! Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais essayer d'en manger indiscrètement. Oh, salut, mon bon ami! Oh non, elle est juste là! Je savais que vous mijotiez quelque chose. Reposez ça! Oh, et maintenant? Bonjour, vous allez voir le dentiste aussi. Oh, bonjour! Attendez deux secondes! Vous êtes un sauveur! Oh, dis donc! Personne ne m'avait jamais appelé comme ça avant! Parfait, ça va être la solution à mon problème. Ok, j'ai mis mon faux casque orthodontique. C'est le moment de manger un petit bout. Je mange et personne n'a rien remarqué. Hé, qu'est-ce qui se passe ici? Rien, c'est juste mon appareil dentaire. Ah bon, tant que vous n'êtes pas en train de manger... Oui, oui. Il n'y a que moi et mon casque orthodontique. Je ne mange pas. Oh! Waouh! Vous êtes éblouissante! Bonjour. Je voudrais embarquer. Oui, bien sûr. Excusez-moi. Je vous rappelle juste que la nourriture n'est pas autorisée à bord. Oh! Ça va! Ce n'est pas vraiment de la nourriture. Même si ça en a l'air. Je suis sûre que vous comprenez. Oh, mais...
Mademoiselle, les règles sont claires là-dessus. Oh, ok, ça va. Prenez-les si c'est si important. Alors vous partez en vacances ou voir de la famille? Un petit ami? Ah, oh, fichez-moi la paix. Je suis prête à monter dans l'avion. Eh bien, voyons voir. Vous pouvez fouiller mon sac si vous voulez. On dirait que tout est en ordre. Merci, je vais passer un bon moment. Oh, je crois que c'est ma place. C'est cette fille qui a perdu toute sa nourriture. Peut-être que son maquillage a besoin d'une retouche. Et vous en voulez? Non, merci, j'ai le mien. Non, regardez. Vous mangez votre rouge à lèvres? Mais ce n'est pas comestible. Mais ce n'est pas vraiment du rouge à lèvres. J'ai pris un bol de chocolat blanc et j'ai ajouté du colorant alimentaire. J'ai fait fondre le tout. Une fois liquéfié, je l'ai mis de côté. J'ai ensuite pris un tube de rouge à lèvres que j'ai vidé. J'ai juste utilisé un couteau pour le retirer. Ensuite, c'était facile. Il ne restait qu'à verser le chocolat et à remplir tout le tube. Après ça, j'ai juste remis le bouchon. Et maintenant, ça ressemble à un vrai rouge à lèvres. Mais c'est un délice à grignoter. Regardez, j'en ai fait plusieurs. J'ai des papillons dans le ventre. Il est si beau. Je devrais vraiment lui parler. Peu importe. Ah, on est si proches. Oh, je sais. Je vais écrire un mot à Sunny. Qu'est-ce qu'il fait? Ça dit exactement ce que je ressens. Je suis si nerveux. C'est pour moi? Waouh, il est si romantique. Je ne me suis jamais sentie aussi heureuse. Elle l'aime bien. Ouf. Oh, je ferais mieux de répondre. Je me demande ce qu'elle dira. Ceci est pour toi. Est-ce qu'elle ressent la même chose? Le moment de vérité. Elle m'aime. Mon cœur bat la chamade. J'ai l'impression de marcher sur un nuage. Rien ne peut gâcher cette journée. Je suis l'homme le plus chanceux du monde. Moi, moi. Oh, j'ai une idée. Je devrais faire un cadeau à Sunny. Un cheval? Non. Qu'y a-t-il d'autre ici? Un ours en peluche. Ah, oh, il a connu des jours meilleurs. Sunny mérite mieux. Voyons ce qu'il y a d'autre. Une boîte de tomates? Pas question, il doit y avoir quelque chose. Oh, une barre de chocolat. C'est parfait. J'avais oublié cette règle stupide. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Sunny sera très déçue. Je ferai mieux d'aller au prochain cours. Attendez. J'ai une idée. Oui, ça va marcher. Tu m'as apporté des bonbons? C'est très gentil. Ouh, attention, Sunny. Je prends ça. Mais ce sont mes bonbons. C'est le règlement. Mais bon. Et toi, l'intello? Je n'ai rien. Est-ce le cas? D'accord, mais je te surveille. Psst, Sunny, regarde ça. Hein? Qu'est-ce que c'est? Regarde ça. Je vais couper mon livre de maths. Comment? Tu es fou? Ce sont des sommes innocentes. Ce n'est pas grave, crois-moi. C'est un gâteau. Et tu peux prendre la première part. Vas-y, goûte-le. Merci, Alex. J'en avais tellement envie. C'est un vrai régal. C'est tellement léger et moelleux. Je l'adore. Je le savais. Il y a une chose que je veux. J'espère que cela ne te dérange pas. De quoi tu parles? Ouah, mon premier baiser. Enfin, les cours sont terminés. Partons d'ici. Hé, hey, Sunny, attends. Je vais te montrer quelque chose. Essaye d'attraper l'argent. Mais il ne faut pas laisser tomber la bouteille. Si tu peux le faire, l'argent est à toi. Nous avons un pari. Laisse-moi y réfléchir. Peut-être si je l'arrache. Vraiment? C'est ça ton grand plan? C'était un entraînement. Je peux le faire. Laisse-moi te montrer. C'est très simple. Regarde ça. La sorcellerie? Eh bien, le billet est à moi. Tout le monde est capable de ça. Tu voudras voir ceci. Hein? Qu'est-ce que c'est? Essaye de faire passer le disque par le trou. C'est facile. Tu ne peux pas déchirer le papier. C'est impossible. Il n'y a pas moyen de faire ça. Tu abandonnes? C'est impossible. C'est ce que tu penses. Je vais soulever ce coin.
Quoi? Comment? Je suppose que c'est un talent naturel. Ok, je dois y aller. Au revoir. Attends, il faut que tu vois ça. Ces peintures sont si colorées. En fait, j'ai envie de les manger. Alex, non! Ce n'est pas grave, je suis un professionnel. Souhaite-moi bonne chance. Alex, tu es fou? Le jaune est délicieux. Je ne peux pas croire que tu aies fait ça. Ce n'est pas grave, ne panique pas. Ce n'est qu'une farce. Ce n'est pas de la vraie peinture. Je vais te montrer. Je place les bonbons dans un bac à glaçons. Ensuite, je remplis les sections avec de l'eau. Une fois que j'ai fait cela, je peux les mélanger. J'utilise un pinceau. L'eau dissout l'enrobage des bonbons. Je peux ensuite les congeler. Tiens, goûte! C'est tellement savoureux! Tu as raison! Que se passe-t-il ici? Il mange de la peinture! Je vous ai déjà mis en garde à ce propos! Vous voulez partager avec nous? Aujourd'hui va être une belle journée, mais ça me manque de ne pas être à la maison avec ma chérie. Regarde-moi ces yeux marrons. Bonjour. Hein? La nourriture est interdite dans le cinéma. Oh, je viens de dépenser 20 euros pour m'acheter tout ça. Quel gâchis! Je déteste cet endroit. Ma chérie, je pensais justement à toi. Lui, il faut qu'on cache ta nourriture. Personne ne doit voir que tu rentres avec. Mets tout là-dedans, ma puce. Ça sera notre petit secret de famille. Toi aussi, tu as de la nourriture? De la nourriture? Bien sûr que non. C'est sûr que ça a ses avantages que maman travaille ici. Quelqu'un veut du chocolat? Ça ne serait pas un film digne de ce nom sans chocolat. Ok, et alors? Bonjour, vous allez bien? Je dois y aller. Il faut que je vous passe au détecteur d'abord. Vous ne cachez rien là-dedans? Oh, trop nul! Je gardais ça depuis ce matin! Oui, oui, donnez-moi ça. D'accord! Voilà! Vous êtes contente? Allez-y maintenant. Bon, où j'en étais? Hé, par ici! Prends mon casque. Il y a quelqu'un? Quoi? Je ne m'attendais pas à avoir de la visite. Pas de nourriture? Ouvre-le! Ouais! J'ai utilisé des couvercles en plastique comme cela. Et je les ai peints au spray. Ensuite, je les ai fixés à ça. Tu vois? C'est la taille parfaite pour cacher des donuts. Pas mal, non? Et ils ressemblent à un vrai. Ah! Je t'ai bien eu! Ce sont mes préférés! J'en mourrais d'envie! Salut, ça va? Tu veux un petit goûter? Beurre! Il y a tellement de sucre là-dedans. Je préfère rester en bonne santé, merci. Je vais avoir un corps de rêve. C'est pour ça que je ne mange plus que de la nourriture verte. Et des boissons vertes. Je devrais essayer. Moi? Je suis plutôt du genre régime arc-en-ciel. Plein de nourriture jaune. Marron. Et toutes les couleurs entre les deux. Et rien n'égale la nourriture rose. Non. Tu ne connais pas les règles? Oh, mais j'ai vraiment envie d'en manger! Fais ce que tu veux. Il faut que j'aille à mon cours. C'est vraiment trop dommage. Bon, je crois que je vais faire du sport le ventre vide. En sentant le frais, bien sûr. Attends un instant. J'ai une idée. Oh oui! Pour faire passer ça,
retire le déodorant de son étui et remplace-le par de la barbe à papa. Putain, non? Et ça sent bien meilleur maintenant. C'est l'heure d'aller transpirer. Continue! Juste une seconde. Pardon, je vais rattraper mon retard. C'est ça, allez! Ouais, c'est le moment du goûter! Oh, je transpire comme un bœuf. Fais ce que tu dois faire. C'est faux! J'ai juste besoin d'un petit remontant en sucre. Je ferais mieux de ne pas pousser le bouchon trop loin. Dis donc, ça brûle vraiment! Attendez, je dois retoucher mon maquillage. C'est bon, je suis prête. Voyons voir. Hé! Oh mon Dieu! Je suis super en retard! Oh! Du maquillage! Je peux te l'emprunter, s'il te plaît? J'ai pas eu le temps. Non, désolée, je ne peux pas te le prêter. Elles sont bizarres, ces deux-là. Mais tu ne vas pas me laisser en plan comme ça? Donne! Non, mais... je demande juste un peu d'aide. Hein? Mais pourquoi ça marche pas? Je crois que ton maquillage est... Ah! Je vois! Cette fille vient de lécher du maquillage. Allez-y! Dégoûtant! Quelle bonne idée d'avoir caché tes bonbons comme ça! Eh oui! C'est une bonne petite solution! Miam! Délicieux! On va passer une super soirée! Hé! Nourriture interdite! Allez! Reviens quand tu auras fini! À ton tour! Voyons si tu caches quelque chose! Oh non! Faut pas qu'il trouve mes bonbons! Hé! Son collier! Ça me donne une petite idée! Eh oui, ça va marcher, c'est sûr. Voilà. Et en plus, c'est la classe. Qu'avons-nous là? C'est bon, tu peux y aller. Super, j'ai réussi à entrer. Et maintenant, goûtons ça. Est-ce qu'elle vient de manger son collier? Toi aussi, tu as vu ça? Eh, on peut en avoir un bout? Bien sûr. Tenez! Merci, c'est délicieux! Oh, comme il est beau! Pas si vite! Nous n'acceptons ni nourriture ni boisson! Je dois vérifier avant de te laisser entrer! Hé! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bon, tu peux y aller! Elle va me confisquer mes Skittles! Tiens, le guerrier barbu! Voilà la solution! Il me faut une fausse barbe et de la colle chaude, bien sûr. Je fais une ligne comme un sourire de smiley. Et ensuite, j'ajoute un bout de tissu. Ça me fait une poche et je vais pouvoir y mettre mes Skittles. C'est vraiment une super idée! Barbe en place, bonbons cachés! Allons faire la fête! Une seconde! Mon Dieu, c'est le guerrier barbu. Allez-y, monsieur. Super, j'ai réussi à entrer. Hé, jolie barbe. Elle te plaît? Elle cache des bonbons. Incroyable, c'est super cool. Je peux en avoir? Bien sûr, tiens. Hé, mec, arrête de donner des bonbons à ma copine. Oh, désolé, t'en veux aussi? Waouh, merci, mec! Ouf, ces bonbons viennent de m'éviter une belle raclée! La queue commence ici. Stop! Donne-moi tes bonbons et ton eau. Fais voir ce que tu as dans ton sac à main. Oh non! Ils confisquent tous les bonbons! Qu'est-ce que je peux faire? Tiens, ces barrettes me donnent une idée. Je crois que ça va marcher.
Et voilà, des bonbons en cœur pour mes cheveux. Allez, à ton tour. Voyons voir. C'est bon, tu peux entrer. J'y suis. Et je vais me régaler. Et tu peux en avoir un aussi. Oh, merci, tu es gentille. Comment t'y prendrais-tu pour faire passer tes bonbons en boîte? Fais-le nous savoir dans les commentaires. Et n'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour ne jamais manquer nos vidéos géniales.